Et bonjour à tous, et moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 4. Bon, là les vidéos j'y Je crois qu'on tourne. s'est trompé, Deacon. Prépare-toi à tout annuler. Ouais, Tu as bon, fait le non bon plus je choix. voulais. Bienvenue chez les assassins initiés. Oui, bah de toute façon j'ai que ça à faire. Bon, je vais vous laisser tout de suite. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs, les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Très intéressant. Alors, ça raconte quoi ce projet? À part tout ça que j'ai rien compris du tout, hein? Voilà, oui. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres. Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le trouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Allez, c'est parti. Paris, 4 janvier 1791. Et voilà. Content de te voir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Aptitude d'assassin débloquée. De nouvelles aptitudes d'assassin ont été débloquées dans votre menu compétences. Ok. Corps. Frappe étourdissant. Ouais. Séquence 9, séquence... Ok.
téléporter. Pistolet. Les bombes. Ouais. C'est quoi ça? Une bourse permet d'attirer l'attention des gens qui vont. Ouais, et. Je mets le pistolet. Hein. Discrétion. Ah, il faut une jaquette. La petite permet de partager la vision d'aigle vers le joueur allié. Ça, je m'en fous réellement. La petite permet de vous déguiser ainsi que vos alliés proches et cibles. Cette grande permet, si vous pouvez approcher tout trop d'un ennemi lorsque vous êtes équipé de faire face. Ok. Ouais, en gros, on se déguise pareil. Quoi. Ok, ça, ça peut être pas mal. Ah, crocheter ça aussi, c'est bien. Ouais, bon, c'est pas trop intéressant. Ok. Bon, il y a vraiment deux trucs là que j'aime bien. C'est celui-là et celui-là aussi. Et ça, c'est pas mal aussi. Santé. Ok. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être. Mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte. C'est quoi ça? À la main. Ça. Cool. Alors, soit ça, soit ça. Ça, non, c'est un peu abusé. Hein. Ça, celle-là. Ah, mais il faut les. Ah, ouais, c'est de l'arme. Ok. Ouh, ça doit faire mal ça. Pour l'instant, on va garder notre épée. Non, on n'a pas d'épée. Non. Si, on a une épée. La basique. Arme longue. On s'en fout réellement. Arme lourde. On s'en fout aussi. Pistolet. On a quand même un pistolet de base aussi. Celui-là, il serait mieux. Que celui-là, basique, qui fait aucun effet. On va l'acheter. Hein. Je sais pas. Ouais, pour l'instant... non, pour l'instant, on va rien acheter. Enfin, ça... On a pas besoin, c'est vraiment si on voit qu'on a vraiment besoin, on achètera pour tout le monde. Bon, c'est bon. Bon. Donc, voilà. On va continuer. Remise de diplôme. Séquence 3. Moi, ah, okay. Une minute, toi, je veux te parler. De quel côté es-tu, hein? Dans quel camp te bats-tu? Oh, ouais. C'est là. C'est vrai, pourquoi ce...
saboter. Je ne sais pas pourquoi. Mais saboter. Ok. Ouais, faut monter. Ah ouais, c'est pour ça. Alors, allez, c'est parti. Quelle est la mission ? La mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Les anges, plus ils sont nombreux, plus la mission est difficile et les ennemis puissants. Votre niveau de joueur est également représenté par les anges. Ok, on s'en va à peu près quand même aussi. Alors, tuer les gardes et saboter la cloche. Ce serait déjà bien de saboter la cloche. Et après, tuer les. Après, les tuer. Mais bon. Déjà, je pense que c'était dans la paille. Vision d'aigle. Non ! Me cacher ! Bon, bah, trop tard. Ah bah voilà, c'était comme ça, bon. On va les fouiller. Non. Ça va être comme ça, au moins il me fera plus chier. Merde, bon, c'est brave. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Et je... À l'aide ! Au meurtre ! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? Assassin ! La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie ? Mais... Il a tué Monsieur de la Serre ! Sois patient, Siver n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Ouais. Bien. Le conseil attend notre rapport. Appuyez sur... Vous signez les bombes fumigènes lorsque vous êtes équipé. Appuyez sur... Ok. Te voilà! Lance une bombe fumigène! Oh oh. Ces chiens sont trop mauvais! Envoie-leur une bombe fumigène et passe pendant qu'ils crachent. Ouais, bah, hein! Oh, tu n'as aucune issue, chien! Allez, vite! Non, 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 et non! Oh oh! Voilà! Oh non! Vite. Allez, voilà, allez, parti. On quitte la zone. Merde, faut que je rejoigne le lieu de rendez-vous. C'est bon, on peut repartir. Allez, c'est parti. Non, arrête de monter pour tout. Allez.
c'est parti. Où est le lieu de rendez-vous? Voilà, mais tout là-bas. Viens voir ici le curé, j'en ai assez. Non, mais ils sont tous là, là. La révolution sonnera le droit de tous les corbeaux. Oh. Il est sans plaisir. Oh. C'est ce bordel. Bon, voilà. Encore. Voilà, ça va. Ils veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques secourent les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Ah, les extrémistes en rouge accélèrent la population. Ils sont payés par les Templiers. Ils vous... reconnaîtront et vous attaqueront n'importe où. Voilà, on est passé. Vite, vite. Allez, hop. Je ménage ton vieux cœur usé. Allez, hop, on le suit, hein, parce que... il va un peu vite, hein. Tu veux faire une pause? Je vais partir dans la maison, ce qu'on l'a... Non. Et moi j'ai pas suivi, hein. Je sais pas où il est parti, mais bon. Essaye de le suivre, hein, on fait comme on peut. Hein. Pour le suivre, c'est un peu chaud. Je courrai encore quand tu seras mort. Allez, on a fini. Les gardes anglais attaqueront toujours en premier. Les extrémistes en rouge évitent les attaques pour réduire le nombre de conflits. Je ne peux pas protéger ces deux flancs. Doucement, merdeux! On va blesser quelqu'un! Tendance à paralyser. Île de Saint-Louis. Je ne peux pas le croire. Cela fait un an qu'on n'a pas vu Siver. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? C'est pas le bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Chargement. Bon. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira pas. J'espère que ça vous plaît parce que... Ah, mon ami. Sans différer, hein, bien sûr. Vous pouvez constituer votre stagnation, mener à votre... Ok, bon. Et maintenant, que fait-on?
On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Trois autres Templiers ont été tués cette nuit. Pas par nous. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Tu as vu le brasseur ? Pas depuis la semaine dernière. Il se prend. Ne menait-il pas son enquête à la Cour des Miracles ? En effet. Il se croit capable de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la révolution et de faire des chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal ? Voilà. C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort. Je vais mordre, je sais pas quoi. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Sivert. Sivert était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Et voilà, fini. Séquence 3, mémoire 1. Fini. Là, vous pouvez utiliser les progressions pour cette puissance en défi optime. Bonjour okay. Arnaud. Bonjour quelqu'un qui m'a dit bonjour. Bon bah. Tout va bien, j'espère. T'inquiète, tout va bien. On va sortir de là. Après la prochaine mission, c'est là. Ils sont un peu loin, hein, ils sont chiants. Allez. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter aussi. Tout est dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Et voilà, donc ça recommence. J'essaie de bien mettre mon micro, sauf qu'à chaque fois, ça me saoule. J'arrive. Je sais pas comment le mettre. Ah, ça c'est une mission multijoueur, c'est ça ? Chaîne élémentaire. Ouais. Bon. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il peut aller dans l'eau ? Oui, il nage en plus. C'est bien. C'est bien. Regarde. Où aller ? Alors. Sujet au vertige. Qu'est-ce qui se passe ? Poussez-vous. Encore un fou, ouais, si tu veux. Regarde où il faut aller. Là. Oh, problème, il y a des. J'aimerais te dire un mot. Alors,
C'est parti. Sanglant, j'ai pas eu le temps de dire. Je suis allé un peu trop vite. Quel est notre plan ? Notre plan ? Tu n'es plus un apprenti, petit. C'est à toi d'étudier ton environnement et d'échafauder ton plan. Compte pas sur moi pour t'aider. Aucune cible n'est hors d'atteinte. Vous, décampez ! Allez ! Mais où diable es-tu chez nous ? Non. Si tu ne trouves pas de point faible, crée-en un. Vous avez fouillé la cathédrale ? Oui, monsieur. Bien. Dites à Siver que je le verrai à l'intérieur. Partout, il y a des possibilités. À toi de les trouver. Vous ! Rendez-moi vite mes clés ! Voleur ! Et si tout ce que tu tentes échoue ? Pourquoi ne pas te sacrifier pour la cause, ta vie pour la sienne, avant Aldaïr ? C'était la voix des assassins du Levant. Tu voudrais que je l'assassine en plein jour et que je me laisse tuer sur place ? Le message n'en est que plus fort. Je ferai à ma manière. C'est à toi de choisir, assassin. Oh, quel magnifique truc. Assassiner Siver. Crime, perdité, meurtre unique. Entrée, 10 fois entrée secrète, 1. Cloche d'alerte, 2. Ok. Et bah nous, on va rentrer discretos. Hein. What? On se déplace, non? Vous avez vu la tête de ce gros bedeau décrépit? On sera compris. Quel spectacle! Il est devenu rouge comme une cerise! J'ai cru qu'il allait s'étouffer de rage! Hey, maintenant qu'on a ses clés, pourquoi on ne viderait pas la cave à vin de l'archevêque? Tu l'as pas? Non, on va voir où ils vont. Voilà pour Voulez. L'église! Je bois à la raison et à la fin de toutes les superstitions! Moi aussi! Ils ont peut-être signé la constitution civile, mais tout le monde sait que les évêques sont dans le camp des monarchistes. Voilà. Allez, Ous, du balai. Putain. Non, me faire niquer. Ou un coup de jarret. Attrapez-le. J'ai à parler, toi. Merde, niqué. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucun mal à regarder. Et pour quelques pièces, vous pourriez même satisfaire votre culture. Hop là. On cherche à échapper aux gardes ? Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc maintenant, faut que je rentre. Mais pour rentrer, faut que j'escalade pour voir où il y aurait une entrée. Donc. Bon bah. Ah oula. Attendez. Non, là je crois qu'il n'y a rien. Hop là.
Ah, en haut, tiens. Je vais voir un truc. Voilà. T'as réagi. Autrement. Ça bug. What? Tu ne réussiras pas à perdre. Mais où est-il passé? Attends. De boire. Bah va boire. Non mais il est pas sérieux, il va venir là. Ah allez, on le fouille aussi. Ok. Ok, bon, bah j'ai pas compris pourquoi. Merci. Que Dieu vous bénisse. on a vu, faut que je passe par là, mais bon. On va quand même passer par là. On va le suivre. C'est une grande mission quand même ça. Là, je suis déjà à 34 minutes là. Tiens, on revient là. Là-bas, il y a un garde. Gel.
faire niquer à mon avis. C'était quoi ça? Non, je vais me repérer. What? C'est quoi? J'en ai marre. Allez. Tu me fais pas chier. Alors on va le fouiller un petit coup. Voilà. À l'aide l'âme secrète. Ah oui, c'est vrai. Il est tout là-bas, lui. Je peux passer par là ? On va ouvrir. On va voir si je peux passer. Bon, on va pas essayer, en fait. Un autre côté, on va attendre qu'il vient vers nous. Ne déclenchez aucune alerte meurtre. Oh, il s'approche près. Oh, oh, oh. On va le fouiller. Oublié. Hop. On peut pas rentrer là, bien sûr. Ce sera trop facile. Hein. Assassiné. Assassiné. Hop là. Attendez ici. Veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Cyber. Monsieur Latouche, je viens voir le roi des mendiants. Suivez-moi. Des rats! Lin Chou, j'en suis si jamais je mets la main sur lui! Eh bien, qu'y a-t-il de si important pour m'éloigner de ma fille en ce jour? Tout va bien, monsieur? Vous avez abusé du champagne? Siver, il faut partir! Ah, comme ça on voit tout! Vite, vite, non, non. Mais vas-y, caméra de merde. Ah, ça me saoule leur caméra. En plus. Voilà. Mais non, mais casse-toi. Lui, t'as rien vu.
peut-être plus court par là. Ouais. Vous devez fuir du secteur. Ah bah oui. Fuir du secteur. Je vois bien. Oh. Non. Patriote. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras pas loin. Oh. Oh. Je suis la merde. Non. Je vais t'écraser comme une mouche. Quoi? Ah, des miracles. Ouf, putain, ils m'ont mis mal. Je suis dans la merde. 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 Oh mince, non. Ah, oh, j'ai fait le con là. J'ai fait le con. Oh là 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 là. Séquence 3, mémoire 2, sanglant. Sanglante confession. Ok, c'était ça. Meurtre de déclenché. Aucune alerte. Bon, du coup, ça se mord. Bon, c'est pas grave. Ticon, tu me reçois? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis là, Bishop. C'est un balayage de serveurs. Abstergo nous traque et ils sont tout proches. Merde. Tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs? Eh, hey, tu me connais, je suis déjà dessus. J'en ai pour 2 secondes. Initié, on va ouvrir une passerelle entre serveurs. Trouve le portail avant que le balayage ne te localise. Je l'ai, c'est bon. Tu le vois? Difficile de le rater, non? Changer de serveur unique devrait pouvoir te donner quelques heures de répit. Et sinon, on est foutu. Enfin, okay. Pas nous. C'est ton initié qui va en prendre plein la gueule. C'est parti. Ticon, tu n'aides pas là. C'est où? Allez, ok. Allez, vite. Le voilà. Vas-y. Sauf que là, tu me fais un peu chier. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Premier sang. Termine la séquence 3. Je sais pas, il y a combien de séquences en tout, mais... Ah, c'était une grande mission. Wesh. Ouais, presque 45 minutes. Grande mission. Je pense que j'enlèverai des temps de chargement, comme ça au moins ça baissera un peu. C'est bon là. Le signal tient, parfait. Tu es désormais hors de la simulation principale. Ça va semer les agents d'Abstergo pendant un moment, mais je t'avertis, tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé. Carte indisponible, ok. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!